Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie. Attendez, je vérifie juste un petit truc. On est d'accord. Donc, cinquième, sixième, sixième épisode. Et là, je suis pas content du tout parce que le site dyns.org a encore supprimé notre nom de domaine. Donc je l'ai réinscrit, hein, c'est un nom de domaine qui est censé être gratuit, mais c'est la deuxième fois que notre nom de domaine est effacé de de leur base de données et qu'on est obligé de la refaire. Donc là, les joueurs arrêtaient pas de me dire ouais, le serveur est coupé, le serveur est coupé, alors que bah, moi de mon côté, je voyais que le serveur était allumé et puis je comprenais pas pourquoi il pouvait pas y avoir accès parce que moi en local j'y avais accès. Et en fait, ça venait tout simplement de l'adresse dyns.org. Ça fait le deuxième coup qu'ils nous font le coup, donc ça me saoule. Enfin bon, bah voilà. D'habitude, je dis jamais de mal d'eux, mais là, ça fait deux coups qu'ils nous font ça. Je suis assez mécontent. Bon, donc pendant la nuit, parce que moi je me suis déconnecté après la fin de l'épisode précédent. Mais F. Savard a été miné encore, et puis il nous a ramené des jolis trucs. Donc 12 diamants, 15 émeraudes, il y a encore du diamant qu'il avait récupéré avec sa Seal Touch. Donc voilà, et puis, oui, oups. Et puis du fer à volonté, du fer à volonté, de l'or également. Enfin voilà quoi, tiens d'ailleurs il s'est servi un petit peu d'or parce qu'on en avait un petit. Enfin de. Ah non, c'est parce que le deuxième stack est là. Donc voilà, donc on a pratiquement deux stacks de fer. J'avais mis un deuxième four qu'on puisse faire fondre plus rapidement les choses. On s'est fait une enclume de secours, donc on se sert de celle d'en bas. Le jour où il cassera, il y a celle du dessous qui va tomber. Il a agrandi un petit peu la canne à sucre, enfin le champ de canne à sucre. Est-ce qu'il m'en reste d'ailleurs la canne à sucre? Ouais, il m'en reste. Donc on va de toute façon continuer cet épisode. Donc le. Hop. C'est homme. Ville. MDJ. Attendez, parce que mon micro est peut-être mal placé. Voilà. Comment? Ouais, donc voilà. Donc je suppose que les joueurs arrivent. Voilà, ouais, donc Delta, donc c'est lui qui m'avait prévenu que le serveur ne fonctionnait plus et je comprenais pas pourquoi. Alors, tiens, on va faire un truc, c'est comment? Le village PNJ, on va entièrement le démolir. Moi, je veux qu'ils aillent uniquement dans leur. Comment? Dans l'hôtel à PNJ. Le puits, on peut éventuellement le laisser. Il n'est pas plus dérangeant que ça. Mais ouais, on va démolir l'intégralité du village PNJ. Tiens, il y a encore de la canne à sucre là-bas. Et remplacer en fait tout ça par un énorme champ de canne à sucre. Donc eh ben je vais faire la démolition. Comment? En accéléré. On va commencer par l'église. Parce que c'est symbolique. Voilà. Voilà, moi qui suis, alors pas vraiment anti-religion, mais qui trouve que la religion n'a plus vraiment sa place dans notre société actuelle. Enfin, ça, ce sont mes idées. Je trouve que c'est très symbolique de commencer par l'église. Donc, eh ben, on est parti. À tout de suite. We'll be right back.
fin de l'accéléré. J'espère que vous appréciez les musiques que je mets sur Newground, enfin que j'utilise depuis le site Newground. Je suis très très rock metal, hein, c'est mon style, j'écoute pratiquement rien d'autre. Donc j'espère que ça vous plaît. On a fait une petite nuit d'XP, donc je vais en profiter là, hop, pour faire ma... Hop, mon arc... Non, mon arc Power 2. Enfin, Power 3 même. Hop, comme ça. C'est l'abîmer en premier, ensuite... Oups. Ensuite, le... Ah non, 13 niveaux d'enchantement qu'il me faut. Ah, dommage. Par puissance 3. Ça fait rien, on va... Je vais garder le puissance 2, j'en ai un en secours, et il me reste un puissance 1. Bon, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va agrandir le village l'hôtel PNJ, mais hors caméra, parce que c'est ennuyeux, puis ça va me prendre encore des plombes, et puis j'ai pas envie de trop encore accélérer, parce que sinon l'épisode ne va contenir que ça, que des accélérés. Les livres, on va les mettre là temporairement, tout ça on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Non, pas ça. Et puis bon, on va prendre, je vais prendre ce qui me reste de cobble. On ira en miner, hein. Mon commis va aller en miner, donc c'est pas un problème. Tiens, il me reste 64 là. Des escaliers, il m'en faudra de toute façon. Ça. Bon, bah, je vais aller faire fondre tout ça dans le. J'ai pas envie de mélanger avec du grès, ça va faire moche. Donc, eh ben, je coupe et puis bon, on se retrouvera devant l'hôtel PNJ quand il aura fini d'être construit. À tout de suite. Arrête pas, c'est con. Bon, nous avons agrandi le village PNJ, enfin l'hôtel à PNJ. On a galéré, mais à deux ça a été plus vite que prévu. Il me reste. Alors il a pas arrêté de me balancer des os lui parce qu'on s'est fait quelques nuits quand même de lutte acharnée. Enfin, surtout lui, moi j'ai surtout construit, donc c'est lui qui a ramassé toute l'expérience pratiquement. Donc il m'a rebalancé des os. Comment? Il nous reste deux pierres taillées. Toute l'aventure, il nous reste deux pierres taillées. On a utilisé toute la cobble pour ça, c'est hallucinant. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir, les PNJ vont pouvoir être générés assez rapidement. Tout ce qu'il nous faut, c'est que le champ de canne à sucre pousse. Voilà, comme ça. Alors l'objectif, hein, donc pour ceux qui ne sauraient pas, je le répète, j'ai merdouillé là au niveau du. Ah non, non, ils ont la place pour passer, je me suis dit. De loin, ça faisait bizarre. L'objectif, donc, c'est de récolter la canne à sucre. Aller voir, voilà, des PNJ érudits, comme ce PNJ. Et s'il vend, enfin, s'il achète, en fait, de la canne à sucre, eh ben, on achète, quoi. Enfin, on vend, quoi. Donc on revend de la canne à sucre contre des émeraudes. Donc normalement ce sont les érudits qui. Donc les blancs, hein, qui vendent ça. Voilà. Et puis les PNJ violets sont ceux qui nous intéressent le plus car ils ont une petite probabilité de nous vendre des bouteilles d'enchantement. Donc l'objectif aussi, hein, c'est dès qu'on trouve un PNJ qui vend de la canne à sucre, on l'isole de façon à voilà, à l'avoir sous le coude, quoi, en gros, pendant. Comment, sous le coude quand il comment quand il aura voilà, comme ça on pourra toujours vendre plus rapidement plutôt que de le chercher au milieu des autres PNJ. Donc là pour le moment apparemment il y en a 4. Bon, j'ai réduit mes particules, mais on va voir s'ils se reproduisent. Oh, de toute façon ils devraient pas tarder à se reproduire. Enfin il m'a dit comment Evzavar, il y en a quelques-uns qui sont déjà reproduits parce que de toute façon ils étaient deux déjà à la base seulement. On n'en avait que deux villageois, là on en a quatre maintenant, donc ça se reproduit, il n'y a pas de problème. Voilà, donc nous nous retrouverons beaucoup plus tard, hein. De toute façon, l'objectif c'est d'attendre que la canne à sucre pousse, que le
Tiens, d'ailleurs, ça commence. Comment? Et puis trouver les villageois. Donc ici, ben, ça va être comme ça. Je vais peut-être retourner au Stronghold, aller finir de détruire la bibliothèque. Attendez, parce qu'il faut que je mange. Moi, je suis en train de crever de faim là. L'autre, encore en train de se foutre en plein milieu de ma poire. Mais. Ah! Quel con! Je vais tirer dessus, j'ai plus de flèches. Oh la vache, ah le salaud. Bon, ok, voilà. Bon, eh ben il fallait bien que je meure arrivé un moment. Donc Oh zut. Ah ouais, c'est bizarre, je perds pas mes items ici en... Comment? Je perds pas mes items ici, c'est bizarre. Normalement, on est censé les perdre dans les mondes personnels, et puis là, apparemment, ça a été résolu. Peut-être, je sais pas, une mise à jour de Bucky, une... Bon, eh ben écoutez, je vous laisse avec vos occupations. Je vais certainement monter le début de cet épisode. Puis, si on n'atteint pas le temps imparti, ce qui ne m'étonnerait pas, nous nous retrouverons bah, éventuellement pour encore sur un accéléré de la démolition de la bibliothèque. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt.
Fin de l'accéléré, on a eu un petit souci. Donc nous sommes donc juste devant la bibliothèque. Voilà. Au bout d'un moment, j'ai dû arrêter le record pour aller chercher un renseignement sur Internet pour un joueur. J'ai tout simplement oublié de relancer l'enregistrement pour le reste de la destruction de la bibliothèque. Donc il semblerait que. Donc je m'en aperçois en post-production là, hein, donc je tourne plusieurs heures après que nous sommes après la dernière coupure. Voilà. Donc c'était pour vous dire, donc on a quitté le. Comment on a entièrement démoli la bibliothèque, y compris le bois. Tout est stocké pour le moment dans ce coffre que je vais de toute façon dont je vais rapatrier le contenu vers le campement. Et puis on n'aura plus grand chose à faire ici de toute façon. Et puis donc je voulais revenir sur 2-3 trucs. Notamment il faut savoir que comparé à la série Beyond Good and Evil, que je vous conseille, même si elle est beaucoup moins regardée que mes séries Minecraft. Il faut savoir que c'est beaucoup plus long pour moi de produire des vidéos de Minecraft plutôt que de vidéos d'un autre jeu, notamment c'est à cause des accélérés. Il faut savoir que vous voyez 20 minutes de vidéo, mais moi je joue pendant plus d'une heure. Et donc le temps de tournage me prend énormément plus de temps, ça me prend énormément plus de place sur mon disque dur, et donc ça me prend encore plus de temps à encoder les vidéos. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que j'aime bien donner des ordres d'idée comme ça pour que les gens se rendent bien compte de comment ça se passe. Pendant la série Beyond Good and Evil, je tournais à 4 épisodes par jour, à peu près. Là, je tourne à un épisode par jour, si ce n'est la moitié d'un épisode par jour. Donc c'est très très long à filmer, et donc évidemment l'encodage augmente également, et le temps sur YouTube, je vous en parle même pas. C'est simple, je laisse mon PC allumer la nuit et j'uploade sur YouTube pendant la nuit. Donc voilà comment ça se passe. Et c'est tout. Je voulais juste vous parler de ça. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Je savais qu'il restait 2 minutes après l'encodage, résultat. Il reste 2 minutes là de vidéo, je le sais. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Suivez l'actualité du serveur sur ma page Facebook ainsi que sur le site mineserve-mdj.fr.nf. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour l'épisode 7.